c'est branché. Ça marche. C'est parti, on va aller tourner. Et bonne année hein, quand même. Bonne année à toi, ouais. Super année 2020, ça commence bien. Hein. Je suis un peu emmerdé quand même. Pourquoi ? Bah, je suis emmerdé parce que j'ai deux problèmes pour cette séquence. Déjà, c'est PSG Monaco dimanche, donc tu vois déjà les pronos arriver, PSG 4-0, 5-0. Et puis au-delà de ça, quoi, tu vois, je trouve que ce qui se passe dans le monde, c'est grave, quoi. Regarde les incendies en Australie, les grèves en France, USA, Iran. C'est quoi demain ? Ils vont nous sortir les Tuches 5 au cinéma ? Et puis Big Flo et Oli vont vendre des disques ? Ça, t'es remonté, hein ? Ben oui, je suis remonté parce que c'est chaud ce qui se passe, tu vois. Parce que si demain la planète elle explose, comment on parie ? T'es marrant, toi. Et moi, je t'avoue que j'aimerais faire un truc un peu engagé, tu vois. Pas seulement deux blagues de Toto et moi, je fais un jeu de mots, là. Et puis... Donc peut-être faudrait un truc, je sais pas, moi, sur Winamar. On dit aux gens, vous en avez marre de quoi aujourd'hui ? Vous avez Winamar de quoi ? Tu vois ? Et on leur donne la parole. Ouais, c'est okay, bien, mais, tu vois. Mais c'est quoi le rapport avec les pronos ? Faut quand même qu'on parle mais du le match. Mais le pronos, on le demandera à la fin, le pronos. Y a pas de souci, y aura toujours un pronos, de toute façon. Allez, c'est parti. Ah, bonjour madame. Un petit média libre pour vous exprimer. Vous en avez marre de quoi, madame ? Dites-le. De tout. Alors, mais justement, de quoi ? De tout ? Votre neveu, votre fils, votre mari, votre inspecteur des impôts, TF1, M6, la TNT, dites. Elle a marre de tout, mais elle dit pas qui. Grâce à Winamax, un média libre, oui. Vraiment totalement libre, oui. Qui a pas d'argent, qui fait ce qu'il peut, vous pouvez dire à la caméra, en tant que citoyen, voilà, j'en ai Winamar de ça aujourd'hui, voilà, j'ai envie de me battre pour ça, c'est ça qui me révolte. La parole est à vous, la caméra est à vous, c'est, vous dites ce que vous voulez. Winamar, que le gouvernement ne veuille pas entendre ce que les gens demandent en ce moment. Puis il y a beaucoup de choses qui pourraient changer quand même. Ouais. Non mais c'est touchant parce que c'est... déjà voir un socialiste aujourd'hui en 2020 c'est toujours touchant et vous dites ce que vous pensez, ben voilà. C'est... Et sinon un petit prono pour PSG Monaco. Je suis pas amateur de foot du tout. Comme j'ai pas de télé, je peux pas voir tout ça. Vous avez des livres chez vous ? Oui. Oh le beauf ! Winamar, Winamar ! C'est Winamar, c'est la parole aux citoyens. On est en 2020. Où est-ce qu'on va ? Et surtout on en a marre de quoi aujourd'hui ? On a envie de se révolter contre quoi ? J'en ai Winamar de l'exploitation de l'Afrique. Voilà. Le continent le plus riche, et c'est la population la plus pauvre qui souffre de famine encore. Comment on explique ça ? Il doit y avoir un lien avec l'Europe qui profite un peu trop. Un complotiste, j'en étais sûr, fallait que je tombe sur lui. Voilà. Oh là là ! Et sinon, un petit pronostic pour PSG Monaco ? 3-1. Pour ? Pour le PSG. But 2 ? Triplé de Neymar. Et Monaco ? Slimani. Ah, Slimani. Un but de Slimani. On voit un connaisseur. Oh, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Grodard. Le réalisateur porno, non ? Oh pff ! Winamar de la pollution, vous ? Non ? Ah, des clandestins, ça fait plaisir. Oui, non, comment ça va ? On est dans l'Europe. Ah, vous êtes dans l'Europe ? C'est Roumanie. Ah bah non, alors là, c'est la folie, là. Si vous voulez dire quelque chose dont vous avez marre, qui vous révolte, vous avez envie de... Ici, oui, en France ? Oui. J'en ai marre parce qu'il y a tout le temps des problèmes. Des grèves aussi, quelque chose que ça ne donne pas bien à la France. Vous voyez ? Ça ne donne pas une belle image. Ah, ça c'est sûr. On serait mieux en Roumanie. Non. Peut-être pas non plus quand même. Non, pas déconner. Que, si j'étais bien en Roumanie, j'avais resté là-bas. Bien sûr. Donc j'aime bien ici. Je suis bien intégré. Ah, c'est vous que... C'est vous qui êtes bien intégré. Oui, voilà. Je vous embrasse. Oui, merci beaucoup. Ah, si. Ça fait plaisir parce bonne que année. Moi j'étais de gauche il y a 20 ans. Maintenant je suis plus de gauche qu'avec le temps, vous savez. Ah, oui. Et quand je vois des gens comme vous, bah, j'y crois à nouveau. Et sinon, un petit pronostic pour PSG Monaco en football ? Ah, c'est sûr qu'il va gagner PSG 1-0. But 2 ? But de Cavani, je pense. Cavani. Ouais. Winamar ! On donne la parole aux citoyens, aux jeunes, aux vieux, aux moins jeunes, aux hétéros, aux homos. Bref, est-ce que vous en avez Winamar de quelque chose ? Bah, personnellement, moi ça va, je suis blindé. Je roule sur l'or, très clairement. En fait, faut de la thune, c'est ça quoi. Donc, faut parier. C'est ça, exactement. Et donc, sur PSG Monaco, un pronostic ? 4-0 PSG. But de qui ? Neymar, Mbappé, Cardi et allez, Di Maria. Les 4 fantastiques. J'ai Monaco parce que grosse cote, donc c'est-à-dire plein de fric s'ils gagnent. Comme ça, tu roules sur l'or comme moi. Putain, mais mec, mais ces jeunes sont formidables. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On a fait ces petites emplettes. On va. Ah, les roquettes, clémentines, héroïnes, tout ça. Oui, voilà. Héroïne, surtout. Surtout. Je vais vous donner l'adresse. Si ah, bah, merci, avec plaisir. Plus sérieusement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous révolte aujourd'hui ? Est-ce que vous en avez Winamar de quelque chose ? Il y a tellement de choses que je ne sais pas par quoi commencer. Je sais. Ah, j'imagine. Ouais. Ah, déjà, BetClick. BetClick, ça vous fait chier déjà. Bon, je le mettrai moi en montage, mais voilà, autre chose. Alors, un sujet au hasard alors, qui vous touche. Alors, moi, ce qui m'énerve, alors je vous dis carrément. Alors, vous avez Winamar, il faut le dire. J'en ai Winamar 2. J'en ai Winamar 2. Les smartphones, dans le métro, ils sont tous là sur leur petit. Je pense qu'il va te faire une. Du coup. Non, mais je suis au boulot là. Quand vous êtes dans la rue, ils ne vous regardent même pas. Alors, ça, j'avoue que ça m'énerve beaucoup.
Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Les jeunes elle se manifestent. Elle a fini ? Ah, pardon. Ah non, je continue. Excusez-moi. Vous êtes sur votre smartphone d'ailleurs. Ah pardon, oui, mais on m'appelle alors. Vous voyez comme quoi vous êtes dépendant. C'est vrai que c'est dramatique, on est des beaufs. Mais bon, moi j'ai pas envie de rentrer dans le mouton. Dans le mouton ? Oui, dans le mouton. Alors, vous rentrez dans le mouton, vous. Qu'est-ce que c'est que ce soit ? Qu'est-ce que c'est que cette sexualité déjà ? Regardez, vous voulez que je vous montre mon portable ? Allez-y, vous avez quoi ? Voilà. Oula, d'accord. Oui, mais ça suffit pour téléphoner, voilà. Je peux vous appeler éventuellement si vous laissez votre numéro, enfin bref. Ah, la soirée commence. Je suis énervé contre rien, c'est fini. En 2019, j'étais énervé, 2020, ça va être que du bonheur. Donc toi, t'en as Winamar de rien. Arrêtez de vous énerver, ça sert à rien. Et pariez. Faites de l'oseille, pariez, voilà, éclatez-vous. Éclatez-vous. Vive la grève, vive ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre aujourd'hui, je suis heureux. Voilà, c'est une bonne journée. Ça sera le mot de la fin. Voilà, on finit sur un sourire d'un citoyen heureux. Une note d'espoir dans un monde cruel. Ah, ça fait du bien. Vous avez désormais toutes les clés, cher Winamy, pour bien parier sur ce PSG Monaco et relever la tête et affronter 2020 comme il se doit. C'est pas près de chez vous, revient bientôt dans votre ville ou votre canton. Que ça vous plaise ou non, bonne année, bande de cons.